c'est parti pour le vide-grenier de Cours de Vincennes, le retour en 2023. C'est parti, let's go! Ah, c'est vraiment monde. Ouais, c'est déjà. Ah oui. Ouais. D'accord. Et le Game Boy, tu fais combien? 10 euros. D'accord. Tu me fais combien les trois? Non, la pièce. Tu me fais combien le tout? Non. Oui. Non. Oui. Non. Neuf. Combien les jeux? Ah, ça dépend. Ah, ça dépend. Il y a 2, 3, 5, 10. Ok. 100. 100. Non. Il y en a pas. 100. 100. Ah, c'est Thank you.
te les montrer comme ça. Tu as fait combien? Pas à fond. D'accord. Il n'y a pas de jeu, non? Ah oui, il y a celui-là. Ouais. Et c'est parti pour le compte-rendu de Vide-Grenier. Et là, vous voyez, nouveau décor. Et qui dit nouveau décor, dit nouvelle tête. Donc, voilà, là, vous voyez une partie de ma collection, une toute petite partie, parce qu'il y en a plein tout autour. Et du coup, là, vous voyez, il y a de la Nintendo 64. La plupart, c'est ce que j'ai récupéré en Vide-Grenier. Hein. Sauf, bien sûr, hein, vous imaginez bien que j'ai pas récupéré le Resident Evil 1.5 en Vide-Grenier. Hein. Ça serait un peu compliqué. Donc vous voyez tout, vous voyez que je suis fan de Resident Evil, de Castlevania, il y a du DBZ, il y a de Nintendo 64, il y a James Bond sur le Nintendo 64. Ça, c'est du Rammstein, dédicace à Astérion le Bon. Regarde, j'ai le album Liebe Hits für Alleda. J'en ai d'autres, bon j'ai pas tous les installés, mais bon, comme j'avais sous la main, je me suis dit je vais le mettre là, en attendant de mettre les autres en place. Donc dédicace à toi, merci pour la dédicace que tu as fait sur ta chaîne Twitch. J'ai vu que tu avais regardé la chaîne et puis celle de Nat aussi. Donc là vous voyez une partie, il y a de la PlayStation 2, la 3, elle est là-haut, et puis là-haut il y a une Pico, et puis regardez, vous voyez, il y a une Mega Drive 2 en boîte. Bon après il y en a plein d'autres, hein. PlayStation 3, c'est plus une partie, hein. C'est 4% de ce que vous voyez. Hein. Donc allez, c'est parti, on commence par ce vide-grenier. Alors il y avait, c'est Bouville dans le 91, et il y a aussi Cours de Vincennes dans le 75 forcément. Donc on va commencer, bon, allez, par ça, le moins intéressant. Donc j'ai récupéré le Amazing Spider-Man, bon les droits d'auteur, hein, on sait jamais. Donc voilà, c'est le Amazing Spider-Man, j'ai mis la notice à l'envers parce qu'elle était abîmée, donc c'est pour éviter, vous voyez, parce qu'elle était pliée. J'ai mis dans l'autre sens pour éviter qu'elle soit trop abîmée. Donc sur la Wii, je récupère le Amazing Spider-Man, donc pour 2€. Pour 2€ encore, dans un autre stand, toujours à Bouville, je récupère le Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Et celui-là, il a la particularité d'être sur deux CD. Donc pourquoi il est sur deux CD? Parce qu'il doit être bien lourd. Vous voyez, le CD 1 et le CD 2. Voilà, c'est comme Resident Evil Rebirth. Donc il est sorti sur GameCube, donc en 2005, fait par Ubisoft, avec la voix de Jack Bauer pour Some Features, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu un mélange entre Metal Gear, il y a de l'infiltration, c'est un peu un Metal Gear, un James Bond, et j'ai oublié le dernier, bon, enfin bref, vous avez compris quoi. Super jeu, j'adore les Splinter Cell, et d'ailleurs, ça devrait revenir, là, il va y avoir un film, bon, on n'a pas de nouvelles, donc on saura bientôt. Donc j'ai payé 2€ le Splinter Cell sur GameCube, c'est très rare d'en trouver de la GameCube maintenant, surtout à 2€. Hein. Donc on continue à Bouville, ouais, on va continuer à Bouville. 91, ouais, c'est que du 91, là, ouais. Donc, on va commencer par un petit lot de 3 jeux PlayStation 3 qui vont permettre de compléter la collection de full set, du full set de la PlayStation 3. Donc, c'est parti, on commence avec le Fallen, le Fallen Angel Sacred 2. Donc, je vous mets un gameplay de ce jeu, c'est parti. It is done. Donc c'était Fallen Angel Sacred 2. Donc c'est le numéro 410 au niveau du bless. Donc vous voyez le petit bord rouge, très peu de chance pour qu'il y ait les trophées. Donc c'est en français. Oh, ça doit être, je sais pas du tout, je connais pas, j'ai pas essayé ce jeu. Je peux pas vous en parler trop haut parce que je ne connais pas. Donc je vais pas dire de bêtises. Là on passe au suivant. C'est un lot de 3 jeux. Donc encore on continue. Là c'est le deuxième jeu. Donc le Prince of Persia, les sables oubliés. Donc c'est du sable qu'il a oublié. C'est le Prince of Persia qui a oublié son sable. Donc là du coup en super bon état. Il est complet. Ah oui, je n'ai pas vu gaffe. Attendez, j'ai une notice. Ah oui, la notice est à l'envers. Bon, c'est normal. La notice est à l'envers. La notice, le CD,
les boîtiers, être en français. Bon, vous connaissez Prince of Persia, je vais pas vous montrer le gameplay ni le let's play du jeu, vous le connaissez je pense. Il y aura les trophées, généralement quand il y en a un bouloir. C'est numéro 839 du Bless. Et là, le dernier jeu que j'ai récupéré dans ce lot-là, Lola aime le chocolat d'ailleurs, je sais pas si vous savez, c'est le jeu et la sous-blister d'un jeu que je fais très souvent en let's play, surtout en ce moment, et sauf que là, c'est le Borderlands 2. Habituellement, je fais le Borderlands pré-séquel, bah là, c'est Borderlands 2, et il y a une particularité, comme vous pouvez voir, excusez-moi, c'est qu'il est sous-blister. Il est sous-blister, il y a même le prix Virgin Megastore qui est de 29,99€. Bon, je pense que c'est pareil, hein. J'ai pas besoin de vous présenter le jeu. C'est fait par 2K Games et Gearbox. C'est en français, c'est sous-blister. Un FPS en shell-shading. J'arrive pas à bien le dire, donc j'espère que je l'ai bien dit en shell-shading. Putain, alors le backring pour dire le mot. Donc ce lot de 3 jeux, je l'ai eu pour 9€. Ça, c'est bien. Soit 3€ le jeu. 3 et 3, 6 et 3, 9. Ouais, c'est ça. 3€ le jeu. Ça reste encore raisonnable. C'est dans la limite. Pas plus de 5€ pour un jeu PS3. On continue à aller à Bouville. Alors là, on va passer à des trucs très intéressants. Allez, à Bouville. Hop, je remets en endroit. Là, il va y avoir du gameplay. Alors attendez. Je remets ça à l'endroit. Hop. Et hop. Et ça, on va garder pour la fin. Voilà. C'est parti. Donc, on commence par le premier. C'est un jeu PSP. PlayStation Portable. C'est les Simpsons, mais il y a un petit problème, c'est que malheureusement, je me suis bourré, j'ai pas fait gaffe. C'est le jeu Pursuit Force, mais en édition promo. Et là, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de jeux promo. Le mec, il avait beaucoup de jeux promo. En fait, il est arrivé avec une valise et j'ai eu un coup de chance que j'étais le premier arrivé. Donc, j'ai pris les meilleurs, j'ai pas tout pris, j'en ai laissé. Il faut dire que les autres, ça n'était pas super intéressant. J'ai pris les meilleurs titres. Et donc j'ai commencé par les Simpsons, mais sauf que ben, c'est la boîte du Simpsons, mais à l'intérieur c'est le CD promo de Pursuit Force. Mais c'est quand même le jeu complet, hein. C'est juste qu'en fait c'est un CD qui était basé soit pour les journalistes, qui était offert pour les journalistes, ou alors pour les démonstrations dans les boutiques, genre Auchan, Cultura, Cafoirama, Casto, Cofourama, donc je ne pas déconner, je ne sais plus comment ça s'appelle, Carrefour, voilà, Cofourama qui vend des jeux vidéo. Ça serait un peu compliqué, je pense. Hein. Donc on va continuer avec des jeux encore promo, mais cette fois-ci sur la PlayStation 2, en petit boîtier plastique, en tout petit, là. Vous voyez, c'est genre style album de titres. Et c'est comme ceci. Et c'est le Legacy of Kain Defiance. C'est ça, Defiance, pardon. C'est le Legacy of Kain Defiance. Donc ce jeu-là, je ne le connais pas. Donc ça fera l'objet d'un let's play. Et du coup, je vous montre un gameplay. C'est parti! S'il a le choix, régner sur un empire corrompu et défaillant, ou défier le destin pour avoir une autre chance, une meilleure chance, que doit faire un roi ? Affronter pas à pas les machinations de la destinée et donc défier les étoiles tyranniques. Et voilà, vous avez vu le gameplay de ce jeu. Il est franchement sympa. Franchement, ça va être bientôt faire l'objet d'un let's play. Et vous remarquez que le CD est nickel. Il est nickel chrome, regardez-moi ça. Ça se présente comme ça, voilà. Ça se présente comme ça, c'est des promos. Donc généralement, c'était offert par la presse, pour la presse, pardon. Ou alors, ça allait dans les magasins de jeux vidéo. Donc, il y avait ce jeu, donc le Simpson. Celui-là, pour continuer avec le Bloody Rain. Je ne savais même pas qu'il existait dans cette version-là. Le Bloody Rain 2. La version, bien sûr, hop, toujours promo. Alors, celui-là, je vais le faire aussi en let's play parce que j'ai jamais essayé.
Je vais pas parler des jeux que j'ai pas encore essayé, donc sinon ça serait ridicule de parler. Donc celui-là, Legacy of Kain Defiance et le Bloody Rain 2, ça sera fait en let's play. Bon, après, est-ce que je ferai un let's play complet? Je sais pas. Au pire, ça sera un gameplay. Comme ça, au moins, on découvrira ce jeu. Pour ma part. Après, vous, peut-être que vous connaissez. Donc, le Bloody Rain 2, en solo. Bon, celui-là, je pense que si je vous fais... Ta-dam, pa-dam, pa-da-dam, pa-da-da-dam, pa-da-da-dam. Et oui, vous allez me dire que c'est Spider-Man. Non, c'est Bombé de Russie. Et oui, c'est James Bond. Je suis un grand fan de James Bond. Donc, alors c'est le premier jeu d'Electronic Arts basé sur un film. Je dis pas de conneries. Alors, attendez que je dise pas de conneries. Généralement, c'était le premier. Ils devaient continuer à en faire d'autres, mais comme ça a été racheté par la suite, ils se sont fait racheter la licence James Bond par Activision, qui leur a raflé le titre. Donc, ils ont malheureusement pas pu continuer parce qu'ils étaient bien lancés. C'était vraiment super. Parce qu'on avait la voix de l'acteur Sean Connery, qui malheureusement nous a quitté depuis, je crois que ça fait maintenant un an et demi, je crois, à peu près. L'acteur Sean Connery, qui était vraiment apprécié par les fans, et par moi-même. Ouais, mes trois acteurs préférés, c'est Sean Connery, Roger Moore, et Pierce Brosnan. Voilà, comme ça vous avez le trio de tête. Donc c'est le From Russia with Love, donc Bon Baiser de Russie. Alors c'est marqué Bon Baiser de Russie ici, mais sur la tranche, c'est marqué From Russia with Love. Pourquoi? Je sais pas. Donc, le... film, c'était le film basé en jeu vidéo avec l'acteur Sean Connery qui faisait la voix dans la version du jeu vidéo. Ils ont tout refait et c'était vraiment super bien foutu parce qu'ils avaient vraiment tout repris du film. Vraiment, là, sur ce coup-là, ils les avaient assurés. Parce qu'après l'échec de, comment ça s'appelle, de GoldenEye, GoldenEye, c'était comment? C'était GoldenEye au service du mal, qui a été une cata. Ça a relevé le niveau. Donc c'est fait par Electronic Arts et c'est sorti en 2005, ça je suis quasi sûr et certain que c'est ça la date, parce que j'adore tellement ce jeu, que forcément je connais, mais je le ferai bien sûr en let's play celui-là, ça c'est promis. Je vous montre pas le let's play du jeu, mais je vous le ferai en let's play. Et là, c'est pas le dernier, mais dernier en petite boîte, allez hop, vous avez pu voir vite fait, c'est un titre qui va bientôt sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et je crois que sur PS4 aussi. C'est un remake qui va sortir bientôt, si je vous dis le 23 mars, c'est Resident Evil 4. Et oui, ma licence préférée, comme vous pouvez le remarquer, là déjà vous voyez un jeu GameCube, bon, c'est la version anglaise, hein. Vous pouvez le voir parce qu'il y a quelqu'un. Et là vous voyez 1.5, là, vous voyez le jeu Nintendo 64, vous voyez que je suis fan de Resident Evil, c'est-à-dire Jurassic Park. Bon, je suis orienté Jurassic Park aussi, mais là pour le coup, là c'est Resident Evil. Donc là c'est une version promo de Resident Evil 4, je ne savais même pas que ça existait. Donc du coup très content d'avoir récupéré parce que licence de cœur. Alors je sais pas s'il y en a d'autres comme ça en promo. Je pense que sur GameCube il y a des CD promo, je sais pas. Là je connaissais pas du tout, hein. Je vous admets que c'est totalement inédit pour moi. Hein. Pour moi par ma part. Hein. Vous croyez que c'est même interdit au moins de 18 ans. Et c'est un jeu. Je pense finalement c'est le jeu complet. Alors par contre c'est marqué en anglais. Mais c'est un jeu français. Bon voyez, c'est pâle ici, voilà. Pelligré pâle. Donc c'est Resident Evil 4, il est très content d'avoir récupéré ça, surtout le prix que vous allez entendre à la fin, vous allez halluciner parce que c'est franchement pas mal. Donc voilà, on continue avec un classique encore, là il y a beaucoup de classiques, mais après il y a deux titres inédits hein, que je ne connais pas et je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc on continue avec le Shadow of Colossus, c'est toujours en édition promo. La preuve, hop, vous voyez le CD, je vous fais montrer. Donc c'est fait par Sony Computer Entertainment, donc bon bah oui ça doit être ça, hein. je connais pas, c'est ça. C'est fait par Sony, c'est sorti en 2006, et franchement, Shadow of Colossus, mais alors qui est-ce qui Colossus? Parce que regardez, chevauché vers l'inconnu, Shadow of Colossus, chevauché vers l'inconnu, serait-ce un message subliminal? Voilà, je ne présente pas de let's play dessus, mais je le ferai. Je promets de le faire, ça va être long avec tous les jeux que j'ai à faire, putain, je suis pas sorti de l'auberge. Donc en version promo, toujours. Toujours en version promo, on continue avec le Soul Calibur 3, fait par Namco. Donc un petit jeu de combien bien sympathique. Oh putain, mais j'arrive même pas à ouvrir. Ah voilà, comme ça. Soul Calibur 3 qui est toujours en CD promo. Je savais même pas que ça existait, cela. Je pensais que c'était certains titres, mais non, apparemment, ils ont dû quasiment sortir peut-être toute la série. Donc ça va être chaud si tu veux faire un full set de. Des PlayStation 2, tu vas devoir aussi récupérer aussi ça, ça va être chaud. Hein. Donc vous voyez qu'il y a même un truc qui a marqué ici, for display
Purpose Only. Ça veut dire qu'en gros, c'est juste pour décorer, quoi, en gros. C'est pas la vente, c'est pas destiné à la vente. Donc je suis hors la loi, attention. Il y a la police qui arrive, hein. Je risque un sauting. Donc il est en français. Bon, je dis le numéro 53312 pour le Soul Calibur 3. Et la fois, j'ai récupéré un Soul Calibur. Je crois que c'est le 4. Bon, enfin bref. Et là, on va passer à des jeux que je ne connais pas du tout et que je pense que beaucoup ne connaissent pas. Ah bah, c'est fait par Namcom aussi. Je me rends compte que c'est fait aussi par Namcom. Je n'ai même pas fait gaffe. C'est le Urban Reign. Donc, est-ce que les gens connaissent ce jeu? Moi, personnellement, je ne connais pas. De toute façon, les jeux baston, c'est pas trop mon délire. Mais bon, on découvre. C'est sorti en 2005 par Namcom, toujours, hein, comme Soul Calibur. C'est la même chose. Et il y a aussi Tekken qui est sorti par Namcom. Donc, c'est un jeu de baston. Et c'est en français et c'est toujours en promo. Donc étonnant de trouver ça en édition promo. Il n'a pas dû être testé celui-là parce que je vois que le CD il est nickel chrome. Hein. Je pense qu'il n'a même pas été joué. Alors, attendez, je vais même regarder l'état du CD. Ah si, il y a quand même une rayure. Peut-être qu'il a été potentiellement utilisé au moins une fois. Ça va faire l'objet d'un display. Et d'ailleurs tout de suite, je vais vous montrer un gameplay. Et on va passer au jeu suivant avec un jeu totalement inédit que je ne connaissais pas et que je pense que vous ne connaissez peut-être pas. Bon, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. D'ailleurs, la personne qui est dessus, le personnage qui est dessus, le personnage féminin qui est dessus, me fait penser à quelqu'un. Je vous laisse quelques secondes pour savoir de qui je pense. Et si elle regarde, bah, on dirait toi. C'est le Red Ninja End of Honor. À votre avis, qui est-ce qui fait penser? Elle fait penser à qui là? Hein? En brune, en version brune, hein, bien sûr. Elle fait penser à Nat. Les trésors de Nat. Je pense que tout le monde la connaît. Hein. Je l'appelle Nat, mais je pense que tout le monde sait que c'est les trésors de Nat. Hein. Tout le monde l'appelle comme ça. Et cette fois-ci, c'est pas une édition promo, c'est une édition classique. Donc c'est un jeu, à mon avis, à la Tenchu. Et en plus, il y a même un personnage, il y a un dessin dessus. Il me fait penser à Nat. C'est celui-là. Voilà. Ça me fait penser à elle. Donc si tu regardes cette vidéo, ça me fait penser à toi. Pas le prédateur, hein. Le personnage qui était dedans, vous avez vu, elle, voilà. Parce que là, j'ai dit, il fait penser à ça, là. À ça, là. Non, voilà, elle fait penser à ça. Bah, pas le crâne, voilà, vous avez compris quoi. Du coup, j'ai laissé quand même l'étiquette, parce que je sais pas si. Bon, les puristes, ils diraient de garder les étiquettes, mais je sais pas si je les retire ou pas. Parce qu'il était quand même à 19,99, qui était l'équivalent de 124 francs 64. Ça fait mal, hein. Ça fait beaucoup de chiffres, hein. Quand vous regardez en francs, ça fait beaucoup de chiffres. Hein. En euros, ça fait beaucoup moins. C'est psychologique. Donc c'est un jeu à la Tenchu fait par Sierra. On connaît tous Sierra qui n'existe plus aujourd'hui je pense. Et Vivendi Universal, tiens, aussi Vivendi Universal. Putain qui n'existe plus non plus. Hein. Donc ça doit être un jeu à la Tenchu mais version féminine. Donc c'est pas mal. À tester bien sûr en display et d'ailleurs je vais vous mettre un gameplay. C'est parti. Oh.
What's wrong? Are you okay? Et les derniers jeux que j'ai récupérés... Il y a quand même un laserdisc que j'ai récupéré. Alors, tiens, on commence par le laserdisc. Par contre, ça a été récupéré à Cour de Vincennes. C'est le seul et unique laserdisc que j'ai récupéré. Si je vous dis... Hi-hi, ça vous fait penser à qui? Eh oui, à Charles Trenet. Non, j'éconne. À Michael Jackson. Et oui, je viens de récupérer cet album. Non, c'est pas un album. Ce laserdisc de Michael Jackson. Alors, c'est le History on Film. Et c'est le volume 2. Bon, malheureusement, il n'avait pas le volume 1. Et je sais que les laserdiscs de Michael Jackson, alors je m'installe bien, je sais que les laserdiscs de Michael Jackson sont très très recherchés et très cotés. Ils valent quand même assez cher ceux-là. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors je ne sais pas si c'est une version pâle, il n'est pas marqué. Parce qu'en fait, à l'arrière, c'est un onglet. Je suppose que ça doit passer dans un lecteur pâle. Peut-être qu'il est, désolé, parce qu'il faut savoir que un laserdisc, c'est quoi? Bah, c'est simple, c'est l'ancêtre du DVD. Et la suite du Blu-ray, je dis une connerie. C'est la suite de la VHS, en fait, c'est ce qui a remplacé, qui devait remplacer la VHS, mais c'était juste un peu avant le DVD, le format DVD. Alors, c'est quoi la particularité de ça? Bah, c'est simple, regardez, ça ressemble à un album vinyle classique comme ça, hein. On pourrait croire que c'est un album vinyle. Et quand vous ouvrez, effectivement, il y a une pochette comme un vinyle, mais à l'intérieur, ce n'est pas un vinyle. Tout ça, tout noir, c'est un laserdisc. Attention, ça brille. Bim! Alors, regardez-moi ça. Regardez comme ça brille. Regardez, c'est quasiment plus gros que ma tête. Là, vous voyez mon œil. Coucou. Ouh. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble à un laserdisc maintenant. Donc, c'est à deux faces. Il y a la face 1 et la face B. Là, vous voyez la face B. Là, vous voyez la face A. Et ça correspond à chaque fois, vous êtes obligé de tourner, en fait. Normalement, pour les films, quand vous regardez un film, c'est-à-dire vous voyez une partie du film sur une tranche, et après, à un moment, le lecteur va vous dire qu'il va falloir retourner le CD, et là, vous aurez l'autre partie. Et des fois, il peut même y en avoir deux, voire même trois. Titanic, il me semble qu'il y en a deux ou trois, je sais plus. Il me semble qu'il y en a trois pour le Titanic. Je sais plus. Tous mes laserdisques sont ici, de toute façon. Je sais plus de mes mémoires. Mais il peut y avoir trois disques. Pour Jurassic Park, il y a deux disques, par exemple. Hop, vous rangez ça comme un vinyle, en fait. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On a un teaser. On a Billie Jean Motown 25e anniversaire, voilà. On a Liberian Girl, you know it the change my world. On a Smooth Criminal. On a le 1995 MTV Video Music Award Performance. Je ne sais pas ce que c'est ça encore, ça va être un teaser, une publicité, je ne sais pas. On a Thrillers, quand même pas mal. Thrillers. On a sur la phase 2, voilà. Ça c'était la phase 1. Et sur la phase 2, on a Scream, Vocal with Dude, Vocal Duet with Michael Jackson and Janet Jackson. Donc il y a Michael Jackson et Janet Jackson qui sont ensemble. Sheryl Wool, You Are Not Alone, Air Song. On a They Don't Care About Us, Strange in Moscow, MJ Mega Remix. Ah bah, si vous retirez le X, ça fait Rémi. Presque, ouais. Et si vous retirez aussi le Mega et que vous retirez le X, ça fait Rémi. Vous voyez, c'est un message subliminal, je pense. Hein. Et c'était déjà un signe. Blood on the Dance Floor, Brace Yourself, Moonwalkers, Dangerous, The Short Film et Video Great Hits. Voilà ce qu'il y a dans cet album. Donc, faut savoir que pourquoi c'est aussi géant, c'est parce qu'en fait, le film ou par exemple les vidéos qui sont dessus ne sont pas compressées comme le DVD. Le DVD, par exemple, on va dire que c'est ça. Voilà. Eh bien, le film, il sera complètement, en fait, compressé dans le disque. Et du coup, on aura une mauvaise qualité d'image par rapport au laserdisc. Le laserdisc, on avait une qualité d'image vraiment la meilleure au monde. Mais le problème, c'est que ça prenait tellement de place que forcément, il fallait deux côtés. Voire même deux, voire trois disques pour regarder un film. C'était chiant parce qu'à chaque fois, il fallait retourner. Ou alors, il fallait un lecteur laserdisc. Vous voyez, il est ici d'ailleurs, mon lecteur laserdisc, il est là. Je vais poser ça là en attendant de recevoir mon meuble. Il y avait un lecteur qui vaut très cher aujourd'hui, c'est un lecteur réversible, c'est-à-dire qu'il peut lire un côté et après il enchaîne avec l'autre côté. Mais de toute façon, s'il y avait trois disques, on était obligé forcément de changer le disque. Donc, c'est le Michael Jackson History on Film volume 2 et je l'ai payé 5€, sachant qu'il vaut à peu près une trentaine, voire même plus d'euros. Donc c'est très bien pour un Michael Jackson. C'est pas le
C'est pas le plus cher, hein. Croyez-moi, c'est pas le plus cher. Il y en a qui valent le plus de 500 euros, hein, des Laserdisc. Hein. J'en ai vu. Ça douille. J'irai pas les acheter à 500 euros, hein, je pense pas. Hein. Après, il y a peut-être, comment ça s'appelle, Hector Barjot qui, lui, achète. C'est à ce prix-là, mais moi, non. Je me permettais pas, même si je suis fan de Michael Jackson. Et la dernière chose que j'ai récupérée, c'était à Bouville, là, cette fois-ci. Ouais, c'est ça, c'était à Bouville, il me semble. Oui, c'est à Bouville. C'était à Bouville. Et là, je le recherchais depuis un moment. Et enfin, il pop. Il était à travers des vêtements. Parce qu'en fait, là-bas, je voulais m'acheter un t-shirt parce qu'il y avait un truc, mais il était trop petit. Comment ça s'appelle? Un t-shirt Mario. Mais le t-shirt, taille enfant, je ne peux pas le mettre. Hein, je peux pas le mettre. Et en soulevant, bah, il s'avère qu'il y avait quelques petits jeux vidéo. Bon, des jeux PC. Hein, et dans tout ça, il y avait quand même un Sonic Air. Alors, Sonic Air, c'est quoi? Alors, c'est sur Sega Saturn. Vous pouvez le voir. Sega Saturn. Donc très content parce que celui-là je l'avais à l'époque mais on me l'a volé évidemment, mais là quand même je l'ai récupéré pour une petite somme qui convient parce qu'il vaut quand même un petit peu, hein, il cote dans les 50 euros quand même le jeu à peu près, enfin selon l'état bien sûr. Donc ça n'a pas été un jeu qui a dû sortir en France parce que je vois quand même qu'il y a une étiquette ici, ici je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du portugais, donc já está aquí o jogo. Que sempre esperada para ou à toi console. Vous voyez, à mon avis, c'est du portugais. Donc, du coup, je récupère ce jeu pour la somme de 5 euros. Même pas eu besoin de négocier, hein, on prend 5 euros, hein, je pense que tout le monde l'aurait pris. Donc, la jaquette est un petit peu abîmée, malheureusement. Et très content de trouver ça à travers des jeux PC. Franchement, quand j'avais vu des jeux PC, je me suis dit, je vais pas le prendre. Et en poussant un petit peu, j'ai vu ce petit logo, la petite planète là. Et du coup, j'ai fait waouh, enfin récupérer celui-là depuis le temps que je voulais. Mais je l'avais sur PC, hein, celui-là quand même, parce qu'il est sorti sur PC. Mais bon, PC, c'est pas le même charme que la version Saturn. Donc, qu'est-ce que Sonic Air? C'est une sorte de Mario Kart-like en version Sonic. C'est-à-dire, vous avez Sonic, Tails, bah tiens, on les voit là d'ailleurs. Hein. On voit Sonic, Tails, Knuckles. Après, on a aussi, vous voyez, là-bas, il est au fond, on a le Docteur Robotnik. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on pouvait déverrouiller. Il y avait deux circuits à déverrouiller. En fait, il fallait faire les circuits, récupérer les objets, je sais plus quoi, où il y avait des portes à passer, et des raccourcis, des trucs comme ça. Et il me semble qu'il y avait deux personnages à libérer, mais je ne me rappelle plus de qui c'est exactement. Peut-être Rose et Amy. Je dis pas de bêtises, non, je dis une connerie. Je dis peut-être une connerie, hein, dites-moi en commentaire. Il me semble qu'il y avait deux personnages à déverrouiller et deux circuits. Et il me semble qu'il y avait 8 circuits à l'intérieur en tout. Il n'y a pas de bêtises, avec les deux à déverrouiller. Un jeu excellent. Franchement, on pouvait y jouer jusqu'à celui-là. Bah non, c'est vraiment parqué. Il y a l'étiquette. Ah, je peux pas voir. Il me semble qu'on pouvait jouer à deux, voire même quatre. Hein. Je dis pas de conneries. Attendez, c'est marqué ou pas 3D. Ah voilà, il est marqué. Jeu de course. Il y a Tails, il y a Knuckles. Oui, il y a Amy et le Docteur Robotnik. Donc il y a Sonic aussi. À vous de choisir les 5 circuits. Donc ouais, mais il me semble qu'il y en avait deux autres, donc ça revient à 7. Bon, dites-moi en commentaire, parce qu'il me semble qu'il y a deux circuits à déverrouiller, bonus, et deux personnages aussi à déverrouiller. Je sais plus lesquels, hein. Je dis peut-être une connerie, parce que ça fait plus de 20 ans que je n'y ai pas joué. Donc, c'est le Sonic Air, je suis très content de récupérer, ça rentre dans la collection de mes jeux Super Sega Saturn, pas Super, mais Super Nintendo. Donc je vais essayer de les rassembler, je vais faire un coin, je pense, quelque part, je vais voir, peut-être... aller faire un truc genre comme ça, voilà, hop, je fais tout casser la gueule. Voilà, faire genre un truc comme ça, et là je vais mettre tous les jeux Sega Saturn. Enfin, on les voit pas trop en même temps. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle ambiance, avec cette nouvelle coupe de cheveux qui fera tomber des... Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous. Ciao.